ce sont des animaux que l'on voit rarement, qui se déplacent sans aucun bruit. Les araignées huit pattes, les serpents en rampant lentement. C'est des animaux très discrets que l'on n'observe pas tous les jours et qui, voilà, qui ont des mœurs des fois un petit peu particuliers. Donc c'est vrai que ça peut effrayer certains d'entre nous. Eh bien, ce sont des animaux qui sont très peu connus. C'est vrai que, par exemple, le loup, c'est un animal qu'on ne voit rarement, en fait, et qui a été associé à la mort, hein, finalement. Les serpents, les araignées, ce sont des animaux qui peuvent tuer d'autres animaux, ou peut-être même des humains, hein, dans certains mythes. Donc, le loup a toujours mauvais rôle. Hein, imaginez, même dans les histoires qu'on raconte aux enfants, hein, les trois petits cochons, etc., c'est toujours le mauvais rôle. L'araignée, c'est pareil, on a toujours le mauvais rôle. Donc, c'est des animaux qui sont associés à des choses qui ne sont pas très positives et qu'on entretient, en fait, au fil du siècle. C'est clair, on adore se faire peur. Hein, ça change aussi notre quotidien de se faire peur. Et puis là, on est en pleine période d'Halloween, donc je pense que ce type d'article va foisonner en fait sur Internet. Mais c'est vrai qu'on entretient un petit peu ça. Hein. On adore se faire peur, les histoires qui sont de plus en plus sanglantes d'ailleurs. Mais il y a aussi, quelques mentalités qui commencent à changer, puisque par exemple le loup ou le vautour, ce sont deux animaux qu'on avait finalement exterminés en France, hein, justement parce qu'ils avaient une très mauvaise réputation. Et puis, finalement, le loup revient, le vautour revient aussi en France. Et par exemple, les vautours dans les Pyrénées sont de plus en plus acceptés. Donc, ça fait partie aussi, les mentalités changent. Et je trouve que c'est très, très bien, même si je reconnais que moi, j'adore me faire peur aussi. Alors, des super-pouvoirs, je ne sais pas s'il pourrait avoir des super-pouvoirs. Bon, si, quoique l'araignée, il paraît qu'il y en a un qui ressemble beaucoup à une araignée. mais voilà, j'allais dire qu'en fait, ces animaux sont juste indispensables à la vie, à la biodiversité, à tout ce qu'on est. Je vais vous donner un petit exemple. Aux États-Unis, il y a le loup qui avait complètement disparu. Et en fait, il y a une zone finalement où il n'y avait pas d'autres... Les autres animaux avaient disparu, sauf quelques cervidés. Et les cervidés mangeaient constamment les buissons, et finalement les forêts ont disparu. On a réintroduit le loup et on s'est aperçu que le loup c'est un super prédateur, comme le vautour, comme tout ça. Les super prédateurs en fait vont manger des proies. Alors certes, ils vont manger des cervidés, mais en faisant ça, en fait, ils ont réhabilité la forêt. Et puis comme les arbres ont repoussé, c'est d'autres animaux qui sont revenus, des écureuils, même des ours qui sont revenus. Donc en fait, tout ça, c'est complètement lié, et finalement, ces animaux qui ont mauvaise réputation, qui nous font peur, etc., alors peut-être juste titre hein, pour certains, mais en fait, ils sont juste indispensables, et c'est ça leur super pouvoir, en fait, j'allais dire à tous, c'est l'araignée, le serpent, le vautour, le loup, la chauve-souris, enfin, tous ceux qui font peur, en fait, ils ont vraiment un rôle à jouer, c'est leur super pouvoir, c'est ça, c'est que tout fonctionne bien sur Terre, en fait. Le serpent qui sort des égouts ou des toilettes, c'est souvent quelque chose qu'on dit. Ça a dû arriver une fois quelque part. C'est vrai que en cas d'évasion, un serpent va aller se réfugier dans un endroit un peu sombre, un peu humide. Il pourrait éventuellement se réfugier dans les toilettes. C'est peut-être le moins improbable de tous les scénarios possibles. Alors en France, on a 4 espèces de serpents venimeux, en France métropolitaine, j'entends, 4 espèces de vipères, 2 qui sont assez courantes, qui sont plutôt dans le nord et l'ouest de la France pour l'une, et dans les 2 tiers sud de la France pour l'autre, et après 2 espèces beaucoup plus localisées, sur le Mont Ventoux et dans les Pyrénées pour les 3e et 4e espèces. D'espèces, je pourrais pas vous dire, mais en l'occurrence, sur l'ensemble de la diversité des serpents, on estime qu'il y a à peu près une vingtaine,
à peu près 20% des espèces qui présentent une fonction venimeuse. Tout à fait, le fait que ce sont des animaux qu'on puisse trouver maintenant chez monsieur et madame tout le monde, ça le rend beaucoup plus abordable et beaucoup plus... ça casse tout un tas d'idées reçues effectivement sur ces animaux-là. Et donc ça contribue effectivement à le démocratiser et à le populariser. C'est dur à dire. Je pense que c'est souvent des animaux qu'on rencontre dans des environnements un peu sombres, un peu angoissants, comme les greniers, les caves, les sous-sols, etc. Donc c'est peut-être déjà des animaux qu'on rencontre dans un contexte un peu anxiogène. Ça peut être des animaux assez rapides dans leur déplacement et qu'on rencontre généralement sans y être préparé. Et donc l'effet de surprise le tout dans un contexte un peu anxiogène comme une cave ou un grenier peut, je pense, générer une sorte de ou cristalliser une sorte de crainte autour de ces animaux-là. Mais j'ai pas vraiment plus d'explications que ça sur la crainte des araignées par rapport à d'autres animaux. Il y a des araignées qui sont dangereuses, elles sont minoritaires, il y en a très très peu en fait. Une quinzaine d'espèces peut-être qui sont vraiment dangereuses. Mais voilà, elles sont effectivement minoritaires. Mais il y a des espèces qui sont effectivement venimeuses et qui sont capables de provoquer soit des blessures graves, soit des décès chez l'être humain. Ah, alors peut-être la plus probable qui a pu s'observer, c'est les araignées qu'on retrouve dans les fruits et les légumes ou dans les plantes exotiques importées de l'étranger. Ça a pu arriver, effectivement. Ça pourrait éventuellement arriver, c'est très rare, mais il se peut qu'il y ait des animaux qui arrivent à passer toutes les barrières phytosanitaires, etc., et qui se retrouvent quasiment mortes sur les étals de nos maraîchers ou dans les plantes de nos jardineries.